Bonsoir. Il y a une famille qui risque bien de passer sa dernière nuit au pays. Elle fait face à une menace de déportation dès demain. Et Félix, à l'évidence, ce serait un retour en Afrique, la dernière chose que la mère de famille souhaite. Oui, pour plein de raisons que vous allez voir dans le reportage. Et en attendant, tout indique que ce sont, pour l'instant, dans ce logement qui est situé juste derrière, ici dans l'ouest de la métropole, les dernières heures au Canada pour cette femme, cette Guinéenne et sa famille. Alors, la fin des procédures de renvoi, à moins que le ministre de l'Immigration décide d'y surseoir. En voici le résumé. C'est la manifestation de la dernière chance pour cette famille guinéenne devant les bureaux de la Commission d'immigration et du statut de réfugié. Le son des tambours, à moins d'un développement de dernière minute, ne pourra empêcher la déportation d'une mère et de ses 5 enfants vers leur pays d'origine. Que Dieu nous en garde, c'est là. En tout cas, jusqu'à demain, là, j'ai de l'espoir. Ce qui pourrait être leur dernier moment au Canada, la famille de Kanku Keita Mansare vit dans ce logement de l'ouest de l'île. Elle est arrivée au Québec en 2007, s'est vue refuser le statut de réfugié à 2 reprises avant de faire une demande de résidence permanente pour des motifs d'ordre humanitaire. Une demande qui n'aurait jamais été enregistrée dans les ordinateurs d'Immigration Canada. Demain, en fin d'après-midi, la famille Mansare sera expulsée vers la Guinée, où ses filles pourraient subir l'excision, une mutilation génitale et un mariage. Ben, ça me fait mal parce que moi, quand je quittais là-bas, j'étais heureuse. Je me disais, ok, je vais aller voir une autre belle vie, puis je vais quitter de l'enfer. Une fois que tu es comme adolescente approchée de l'adulte, et en plus, les grands-parents ils vont dire, oh, on peut pas s'occuper de toi maintenant, tu es rendu vieille, puis tout fait qu'on va donner un mariage. Puis un mariage avec qui, c'est pas un homme que tu aimes, c'est un mariage avec n'importe qui que tu connais pas, comme il a comme quasiment, il peut être ton père. Quand on va arriver là-bas, ils vont les obliger à se marier à un homme, même s'il ne veut pas. Ils vont les forcer, c'est obligatoire. Moi, je ne peux rien, je n'ai pas le pouvoir. D'ailleurs, Zainab a déjà subi une mutilation génitale partielle. En Guinée, selon un rapport de l'UNICEF, 96% des femmes ont subi la pratique. Elle est répandue dans toutes les régions du pays africain. Sur la planète, plus de 130 millions de femmes ont été victimes, selon l'OMS. En simple, c'est un moyen de contrôler la sexualité féminine. C'est un moment très difficile. L'avocat de la famille est scandalisé. La Guinée, selon Amnesty International et Human Rights Watch, viole systématiquement les droits de l'homme. Il y a même sous le gouvernement conservateur, il y a eu une forme de criminalisation des demandeurs d'asile. L'Agence des services frontaliers ne peut commenter le cas précis, mais affirme que la décision de renvoyer un individu du Canada n'est jamais prise à la légère. Félix Séguin, TVA Nouvelles. En temps de présumé espionnage des courriels de l'ancien président du conseil municipal de Montréal pourrait coûter cher à la ville, finalement. Yves Poirier, vous avez appris en exclusivité que Claude Dauphin poursuit la ville pour 250 000 $.